Salut à tous, ici c'est Dakar. Je suis le président fondateur de l'ONG Espoir des Vies. Nos combats que nous menons aujourd'hui, c'est permettre à chaque enfant, surtout aux enfants africains, de regagner le chemin de l'école. Vous le savez très bien, en tant que Joël Crasso, président fondateur de l'ONG Espoir des Vies, j'ai un orphelinat en Côte d'Ivoire et partout où je suis passé. J'ai un lien avec tout ce qui est orphelinat. Alors, je suis en Guinée, et plutôt autant pour moi au Sénégal et à Prisma Dakar. Dieu me fait l'honneur de rencontrer un orphelinat. Et moi, c'est la toute première fois, d'ailleurs, et je suis très enchanté et qu'il y ait cette œuvre sociale ici au Sénégal. Alors, je suis avec le responsable et des orphelins. Et j'ai toujours dit, partout où vous passez, s'il y a des orphelins, tendez-leur la main. Et ça, c'est très important. Alors, selon ma croyance biblique qui dit l'orphelin, c'est un ami, le père des orphelins, c'est Dieu. Alors, quand vous prêtez, vous donnez à un orphelin, vous prêtez à Dieu. Moi, étant orphelin de père et de mère, j'ai dit un jour à Dieu, s'il me visitait, j'allais mettre ma vie à la disposition, n'est-ce pas, des veuves et des orphelins. Donc, je m'occupe des veuves et je m'occupe des orphelins. Alors, je ne peux pas être ici à Dakar sans faire des dons à l'orphelinat. Alors, je suis avec le premier responsable. Merci déjà. Le nom, monsieur. Je m'appelle Monsieur Beng. Merci. Je m'appelle Monsieur Beng, je suis le superviseur de l'orphelinat Al-Khayriya de Dakar. D'accord. Al-Khayriya, qui est un mot arabe qui signifie la charité. D'accord. Nous nous occupons des orphelins, comme vous l'avez annoncé tout de suite. D'accord. Et selon les dires de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il dit, celui qui subvient aux besoins d'un orphelin sera mon voisin dans le paradis. Ça, c'est la promesse de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et en tant que frère, parce que moi, je dis très souvent que les croyances diverses ne sont d'autre que un lien qui nous lie autour du Seigneur. Tout à fait. Voilà. Nous avons tous le même Dieu, nous avons les mêmes prophètes. Donc, nous avons la même croyance et nous avons le même cœur. Et ce cœur qui bat pour subvenir aux besoins de ces petits bouts de bois de Dieu, nous ne pouvons que vous accueillir et tout d'abord vous féliciter, vous et vos partenaires, pour le bienfait que vous procurez à ces orphelins un peu partout en Afrique. Vous venez de citer vraiment beaucoup de pays où vous intervenez, où vous faites des dons à ces enfants que peut-être même que vous ne connaissez même pas. Tout à fait. Mais c'est seulement pour faire parler le cœur. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir choisi notre centre pour venir visiter les enfants tout d'abord, mais aussi leur offrir votre cœur. Tout à fait. Quelle que soit la petitesse, quelle que soit l'importance du nombre, c'est le geste qui est important. Et le premier geste, c'est d'avoir pensé à nous. Merci. Et donc, je ne peux plus aller de l'avant dans mes propos, merci. Parce que nous entendons tout à fait, la tout à prière. fait, tout à Les fait. enfants et nous allons prier. Merci, merci, là où c'est pour vous. En merci, tout cas, merci. La porte est grandement ouverte. merci. Et voici les enfants. D'accord. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, je suis là justement pour venir vous faire des dons. Nous avons envoyé un sac de 25 kilos, c'est dans la voiture. Nous avons envoyé aussi de l'huile et nous avons aussi envoyé des mayonnaises et puis des bonbons. Voilà, je suis ça, je vais déposer une somme symbolique. Voilà, le temps de régler sa main. Je vous promets dans le mois de février, Inch'Allah, je pense qu'on visitera le Sénégal. Et comme je connais déjà ici, je pense qu'on aura plein de choses à faire. Voilà, donc. Ce que je devais préciser, ils représentent une cinquantaine d'enfants. D'accord. Ce sont des garçons et des filles de tout âge. D'accord. Nous en avons de 6 ans, nous en avons de 18 ans. D'accord. Qui font vraiment le collège. D'accord. Ils sont en train donc de me filmer. Se préparer pour la prière. Voilà. Allez, venez. Voilà. Voilà, allez. Et les deux là sont des jumelles. Voilà, allez. Merci, chef, merci, dites merci. Merci. Merci, tonton. Merci, tonton. Voilà, lui, c'est le responsable coranique. C'est l'enseignant coranique, c'est lui qui est juge des enfants. Ah, ça, c'est pour qui?
En tout cas, nous disons merci à vous. Alors, donc le sac de riz, il est dehors là. Dans le la voiture. Donc, on va aller récupérer ça rapidement. Alors, peut-être une photo de famille. Oui, prends la moto. On est en train de voir. Et moi, je vais faire ça. Merci. Photo, hein. Voilà, on va voir. Merci. Montrer l'argent. Hein. Et dites merci à ton père. Hein. Alors, allez-y à l'école. Soyez correct. Demain, vous allez réussir. Hein. Allez-y à l'école. C'est tout. Tout ce que les papas sont en train de faire ici, c'est pour votre bien. Merci. Surtout, ne négligez pas l'école. L'école, c'est ce qui forme les gens. Merci pour le Alors, conseil. Je dis merci à Dieu et à ceux qui vous encadrent parce qu'ils vous ont sauvé. Merci. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui n'ont pas eu cette chance-là. Il faut les respecter et il faut aller à l'école. Merci à et que Dieu vous aide. Et tu fais quelle classe? Comment? Parle fort. Tu fais quelle classe? C'est deux. Et toi? CE2, c'est des jumelles. Toi, tu fais quelle classe? CE2, et toi? CE2, toi? CM1, voilà. Donc, n'oubliez pas de prier pour moi aussi. Inch'Allah. Allez, merci. Voilà, allez-y. On est en train de prier. Voilà. Allez, merci. Voilà. Pour ça, voilà. Vous voulez faire le sac. Merci de m'avoir accueilli. Merci hein. À vous. Merci. Rappelez-moi. Pourquoi tu as appelé? Voilà, soutenir les orphelins, c'est très important. Quand vous soutenez les orphelins, Dieu ne vous supplie pas. Voilà, je l'ai toujours fait partout où je passe. J'ai une alliance forte avec les orphelins. Oh, Bill, t'as pas. En bas. Ouais, c'est ça. C'est comme ça a été toujours comme ça. Il faut aider les orphelins. Ça c'est très important. Quand vous soutenez les orphelins, Dieu vous bénit. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques. La Bible dit, n'est-ce pas, de soutenir les veuves et les orphelins. Voilà, de les soutenir dans leur affliction. Et ça c'est un principe biblique pour tous ceux qui croient en Dieu. Il y a la parole de Dieu. Normalement, ils doivent toujours faire un geste, n'est-ce pas, chaque jour de leur vie, aux orphelins. Il faut les assister. Voilà. Ce n'est pas une question de religion, c'est une question de principe biblique. Et il faut le dire, depuis que je voyage, c'est la première fois où je vois, n'est-ce pas, une communauté musulmane organisée de telle sorte où ils ont plus de 3 orphelinats dans tout le Dakar. Ils ont 3 orphelinats dans tout Dakar. Donc nous venons de rencontrer le responsable premier. Voilà, ils sont là à la prière. On a reçu à parler avec quelques orphelins.
et les a soutenus par la grâce de Dieu. Comme nous serons de retour, cette fois-ci visiter le Sénégal et tout ça, on aura l'occasion de faire encore plus de dons. Mais j'exhorte tout le monde, chaque homme, chaque croyant, chaque être humain, à se soutenir des veuves et des orphelins. Voilà. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Dakar, que Dieu bénisse le Sénégal. Les Sénégalais, vous êtes super bien. Hein? Dakar est trop joli. Dakar est très joli. Et on ensemble. Voilà. Le nom signifie charité. Voilà.